importante concerne le fait que le vieillissement transnational implique non seulement un retour au pays d'origine ou un maintien en Suisse avec des séjours réguliers et prolongés en Espagne, mais aussi une migration vers un nouveau pays. J'ai donc pu mettre en évidence la diversité des pratiques de mobilité développées pendant la retraite, ainsi que la diversité des personnes qui décident de passer la retraite une partie de cette période de vie en Espagne. Ma recherche montre que 5 motivations sont déterminantes dans la décision de passer sa retraite ou une partie de celle-ci en Espagne. Les considérations financières, le climat, les sentiments d'attachement, les événements marquants de vie comme par exemple le chômage ou une maladie et les relations importantes. Aussi, les entretiens ont montré que ce sont presque toujours plusieurs facteurs qui influencent cette décision. Cette thématique associe 2 sujets qui préoccupent notre société, d'une part la migration et d'autre part la vieillesse. Cependant, c'est une thématique qui reçoit relativement peu d'attention de la part de la recherche, mais aussi de la société. Pour moi, c'était donc important de mettre cette thématique au centre de l'attention de ma recherche, aussi parce que j'ai un lien personnel avec ce sujet.